Fulton, dans le Missouri, une petite ville tranquille du Midwest américain. Peu de choses y ont changé depuis 1946. Moins d'un an après la guerre, Fulton sort ses drapeaux pour accueillir Winston Churchill. Mais il arrive à Fulton avec de mauvaises nouvelles pour le monde. From Stettin, in the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Bonjour à tous. Alors lorsqu'en 1946, à Fulton, aux États-Unis, lors de son célèbre discours, Winston Churchill parle du rideau de fer, il parle bien évidemment de la frontière militaire qui s'est établie entre Stettin, ici sur la mer Baltique, et Trieste, ici, zone qui coupe l'Europe en deux avec la création du rideau de fer, cette frontière militaire qui sépare l'Europe libre à l'ouest où des élections et des régimes démocratiques seront mis en place, sauf en Espagne, c'est une autre histoire, de la zone à l'est, ce qu'il a appelé la sphère soviétique, c'est-à-dire la zone d'influence de l'URSS. Bon, je vous en ai parlé la dernière fois, les soviétiques ont pris le contrôle des territoires qu'ils ont libérés du Reich, et ils vont y imposer un certain nombre de pouvoirs communistes, c'est-à-dire qu'ils vont organiser des élections truquées, ce ne sera pas des élections libres, et dans chacun de ces pays, comme par hasard, des communistes seront mis au pouvoir à partir de 47, 48, 49... Et à partir de 1950, officiellement, toute cette zone d'Europe de l'Est fait partie du monde, du bloc soviétique dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, vous le voyez ici, ce rideau de fer, et vous voyez cette séparation entre l'Est et l'Ouest. Donc là, on va voir aujourd'hui les origines de la guerre froide. Je vais vous faire un cours rapide en reprenant ce que j'ai dit dans le corrigé sur l'activité introductive, que vous avez normalement tous fait et que vous êtes allés tous consulter. Alors, les frontières de l'Europe sont celles-là. Souvenez-vous qu'en 1945, en février 1945, à la conférence de Yalta, les soviétiques et les anglo-américains s'étaient répartis une sphère d'influence, c'est-à-dire une zone où chacun de leurs pays pourrait exercer une influence, donc le contrôler. De plus, à Yalta a été décidée la création de l'ONU. Donc l'ONU était une organisation internationale qui regroupe tous les États du monde. À l'époque, il y en a 50, je vous ai expliqué, parce que grande partie de la planète est encore colonisée, donc les États ne sont pas indépendants. Ça, c'est très important, il faut que vous ayez bien ça en tête. Et on a créé un conseil de sécurité de l'ONU qui dispose d'un droit de veto, c'est-à-dire qui dispose de la possibilité d'interdire toute condamnation ou toute décision de l'ONU s'il estime qu'elle lui est contraire. Alors le droit de veto, il est illimité, hein. C'est-à-dire que les Américains, les Russes, les Français, les Chinois ou les Anglais peuvent s'opposer tant qu'ils veulent à une décision de l'ONU ou à une recommandation de l'Assemblée nationale. Alors comme je vous l'avais expliqué dans le dossier introductif, ça fait que l'ONU va être incapable de résoudre un certain nombre de conflits, tout simplement parce que dès que vous avez un vote qui déplaît aux Américains ou aux Soviétiques, ils s'y opposent. Donc, les tensions vont demeurer, et l'ONU ne peut pas les résoudre. Il est bien évidemment hors de question d'envoyer des soldats à l'est de l'Europe pour imposer des élections libres. Donc là où les soviétiques ont fait ce qu'on appelle des coups de force, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des gouvernements communistes qui leur sont, qui sont à leur botte, ou qui sont leurs alliés, ou qui travaillent directement pour eux, effectivement l'ONU ne peut que le constater. De plus, avec l'équilibre de la terreur, rappelez-vous, le fait que les soviétiques et les américains sont des puissances nucléaires qui peuvent s'autodétruire, un conflit direct n'est pas possible. Donc l'ONU ne peut pas résoudre pacifiquement les problèmes qui sont nés du partage de l'Europe, et la guerre non plus, heureusement, la guerre atomique n'a pas eu lieu, donc c'est pas par un conflit direct qu'il y aura une résolution de ces problèmes. Donc à l'est et à l'ouest, chacun a développé une sphère d'influence. C'est pour ça que la guerre froide se met en place, parce qu'on a deux mondes qui commencent à se créer, qui sont en conflit, mais qui ne peuvent pas le résoudre par un affrontement direct.
d'où le caractère froid, c'est-à-dire indirect de cette guerre, autour de deux blocs qui vont s'affronter autrement que directement. Alors voilà la première trace écrite, je vous entends déjà hurler de joie. Hein. Donc je la mets en ligne, elle sera sur le cahier de texte, je compte sur vous pour la recopier dans votre cahier. Donc la conférence de Yalta, Stalin, Roosevelt et Churchill se retrouvent pour préparer l'après-guerre. Donc la création de l'ONU, chaque État a un droit de veto, donc, enfin chaque État membre hein, du Conseil de sécurité, d'accord ? Donc les membres permanents du Conseil de sécurité ont un droit de veto, ils peuvent bloquer toute décision, ce qui fait que l'ONU est impuissante à régler les conflits entre les Américains et les Soviétiques. Puisque chacun peut s'y opposer, et c'est normal. Prévu dans les règles de fonctionnement de l'ONU. Ils se sont partagés l'Europe entre les vainqueurs du nazisme, donc les Américains et les Soviétiques, hein, principalement. Très rapidement, toute l'Europe de l'Est passe sous le contrôle soviétique. À l'Ouest, les Américains vont installer des bases militaires, et les Soviétiques font la même chose à l'Est, hein, évidemment. Donc petit à petit, le rideau de fer, la frontière militarisée, hein, la frontière avec des hommes en armes, se met en place et elle sépare l'Europe. Et donc je rappelle que c'est une formule de Churchill en 1946. Donc les territoires libérés et conquis par les Alliés passent sous influence soviétique ou américaine, effectivement. Chacun se rétablit une sphère, une zone d'influence. Donc on a deux camps qui se créent. À l'Ouest, le camp pro-américain, capitaliste et démocratique. Et à l'Est, le camp ou le bloc communiste sous influence soviétique. Si on prend ces deux éléments, l'ONU ne pouvant pas condamner la prise de pouvoir des communistes à l'est de l'Europe et un conflit direct étant improbable à cause de l'équilibre de la terreur, deux blocs se forment, le monde devient bipolaire, c'est-à-dire qu'il est organisé autour de deux pôles et la guerre froide débute. Pour autant, vous avez vu dans le plan du cours et dans la fiche d'objectifs que je fais commencer la guerre froide en 1947. Vous allez me dire, monsieur, l'expression rideau de fer a lieu, elle est inventée par Churchill en 46, on parle de sphère d'influence, donc pourquoi 46 et pas 47 ? Eh bien parce que c'est qu'en 1947 qu'il va y avoir deux doctrines qui vont être établies par le président Harry Truman et puis par un diplomate soviétique qui s'appelle Andrei Jdanov. Alors qu'est-ce que c'est qu'une doctrine ? C'est une vision du monde, c'est un plan, c'est une stratégie, d'accord ? Donc, les doctrines Truman et Jdanov, je vais vous les présenter. Vous ferez à la fin de ce cours-là, vous aurez une activité complémentaire à faire là-dessus. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Donc, d'un côté Truman, qui est le président américain, il dit voilà, désormais il faut choisir dans le monde entre la démocratie, donc le bloc de l'Ouest, hein, les États-Unis, et le totalitarisme, le bloc de l'Est, le monde soviétique. On a des pays d'Europe qui sont réduits à la misère et pour certains qui sont menacés par les guerres civiles. Souvenez-vous que l'Europe est en ruine à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc la misère, le chômage, la pauvreté se répandent. C'est pourquoi les Américains vont dire si on veut éviter que les communistes ne s'emparent du pouvoir, légalement ou illégalement, c'est-à-dire légalement en gagnant les élections, c'est-à-dire en promettant aux peuples d'Europe qui sont dans la misère et qui vivent dans le dénuement le plus complet, de résoudre tous leurs problèmes, donc par les élections, victoire des partis communistes, ou alors par la guerre civile, c'est-à-dire les gouvernements européens étant très affaiblis, on pourrait imaginer une tentative de coup d'État par les armes des partis communistes. Rappelez-vous que les partis communistes se sont armés pendant la résistance et l'occupation, donc c'est pas du tout une option qui est improbable. Donc Truman dit, si on fait rien, si on laisse faire, vous voyez, on va arriver au totalitarisme, ils vont basculer dans le camp de l'Est. C'est pourquoi il va dire, voilà, dans sa doctrine, dans un discours célèbre qu'il fera, qu'on appellera doctrine Truman, il va dire, il faut deux choses. Il faut un soutien économique à ces pays. C'est le plan Marshall dont je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire, les Américains vont financer la reconstruction de l'Europe de l'Ouest. Mais on va aussi mettre en place un soutien militaire, et en 1947, est créée une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Et cette alliance militaire, elle regroupe tous les pays alliés des États-Unis, donc les États-Unis, le Canada évidemment, hein, en Amérique du Nord, mais en Europe surtout, tous les pays d'Europe de l'Ouest. La France, les États-Unis, l'Angleterre, pardon, l'Italie, la Hollande, etc. Tous les pays qui sont dans la sphère d'influence. Ce qui fait qu'en cas de tentative d'invasion soviétique ou de coup d'État militaire, ou de déclenchement d'une guerre civile soutenue par les Soviétiques dans un pays qui serait allié des États-Unis, eh bien, les États-Unis interviendraient militairement directement. Donc cette alliance militaire, elle a pour but d'empêcher que les pays du camp, occidental, hein, du camp de l'Ouest, ne soient menacés soit par les Soviétiques directement, une attaque de l'armée rouge,
soit par un coup d'État ou des tentatives de déstabilisation. De son côté, Jdanov, qui est le principal conseiller diplomatique et pour les affaires étrangères de Staline, va faire un discours célèbre. Les deux discours sont dans la fiche d'activité que vous aurez à faire après, hein, donc vous verrez en détail ce qu'ils disent. Jdanov, il a une autre vision du monde. Il dit pas il y a deux blocs avec le totalitarisme et la démocratie. Il dit d'un côté, il y a les impérialistes. Alors rappelez-vous, ce mot-là, on l'a vu l'an dernier quand on a parlé de la colonisation. L'impérialisme, c'est le fait de construire un empire. Vous voyez, vous avez la racine impériale, imperium en latin. Donc effectivement, c'est la puissance, l'empire. Et il dit voilà, qui sont les impérialistes? C'est-à-dire ces gens qui veulent créer un empire, donc dominer le monde, ben, ce sont les États-Unis et leurs alliés. Ils veulent dominer le monde. Les États-Unis, d'une part, ils dominent l'Europe de l'Ouest parce qu'ils en ont fait la conquête militaire. Donc, ils imposent leur influence à l'Ouest de l'Europe. Mais tous leurs alliés, la France, l'Angleterre, le Portugal, ce sont les principales puissances coloniales de l'époque. Donc, les alliés des États-Unis sont aussi ceux qui ont colonisé le monde. Donc, eux-mêmes, ce sont des impérialistes, c'est-à-dire qu'ils se sont constitués un empire. Puisqu'on a des empires coloniaux. Rappelez-vous que l'Afrique et les Indes à l'époque sont sous domination franco-anglaise, ainsi que l'Indochine, l'Asie du Sud-Est. Donc Jdanov dit voilà, les Soviétiques disent, en face de nous, le camp qu'on a, c'est pas du tout le camp de la démocratie, c'est le camp qui domine et qui colonise le monde. Donc nous, on est nous les Soviétiques qui défendons la liberté des peuples, on est les anti-impérialistes, d'accord? Et on veut libérer les peuples du monde entier, les peuples d'Europe de l'Ouest. Puisqu'en Europe de l'Ouest, on a des bases américaines et qu'il y a l'OTAN, donc ils dénoncent ça, et aussi tous les peuples colonisés, donc en Afrique, en Asie, etc. Et pour libérer les peuples, évidemment, on veut développer le communisme là-bas, donc on soutiendra tous les mouvements ouvriers qui existent, qui sont pro-communistes, tous les partis communistes qui sont constitués, on les aidera à faire de la propagande, on les soutiendra pour qu'ils gagnent les élections, et bien évidemment tous les mouvements anticoloniaux, c'est-à-dire que dans toutes les colonies, en Algérie, en Égypte, en Tunisie, en Inde, on apportera notre aide à tous les peuples colonisés pour qu'ils se libèrent des puissances coloniales. Et à partir de 1955, donc quand même 8 ans après ces discours, pour répondre à la création de l'OTAN officiellement, sera créé le pacte de Varsovie. Et le pacte de Varsovie, c'est une alliance militaire, mais quelle alliance militaire de l'Europe de l'Est et de l'URSS. Donc, il faut que vous voyez ça, on a bien deux doctrines avec deux visions différentes. Et deux alliances militaires qui se constituent. Donc là, on a bien deux pôles et deux mondes qui se perçoivent comme étant ennemis et qui sont les adversaires déclarés les uns des autres. Alors vous voyez, hein, en Europe, je vous ai mis là une carte, où on a à l'est tous les pays qui font partie du pacte de Varsovie. Varsovie, vous le savez, étant la capitale de la Pologne. Hein. Alors, si ça a été signé là, c'était pour que ce ne soit pas le pacte de Moscou, pour qu'on puisse pas dire, oh, vous voyez, c'est gros, c'est évident que... Ce sont les soviétiques russes qui sont derrière tout ça. Donc on a les pays satellites de l'Union soviétique, qui sont membres du pacte de Varsovie. Et de l'autre côté, vous voyez les pays membres de l'OTAN. On a bien l'Ouest et l'Ouest. Et les deux blocs qui se constituent. Je passe sur les nations non alignées, on reviendra là-dessus plus tard. Donc le plan Marshall, je vous montre un peu deux affiches de l'époque, vous allez voir. Alors d'un côté, une affiche qui est pour le plan de Marshall, et qui dit bah, c'est le ciment de l'Europe, ça aidera à la reconstitution, à ressouder ces pays, à faire la paix au nom de la liberté. Et de l'autre côté, vous avez une affiche du Parti communiste français, d'accord, qui dit les Américains en Amérique, ils n'ont rien à faire en Europe de l'Ouest, en l'occurrence en France, et non, la France ne sera pas un pays colonisé. Pays colonisé par qui? Par les Américains avec leurs dollars. Et vous avez l'image de la pieuvre, elle est très souvent utilisée, cette image de la pieuvre. Vous savez, la pieuvre, c'est un animal marin qui a comme ça des tentacules et donc qui peut agir un peu partout. Qui a cette image. Quand on veut l'image d'une pieuvre, c'est de dire qu'il y a une tête dans un endroit et elle a ses pattes un peu partout et donc elle contrôle tout. Et là, je vous mets une autre affiche alors d'un parti qui s'appelle Paix et Liberté, qui était une association très anticommuniste, et qui dénonce en fait la doctrine Jdanov, qui accuse les Américains et les Européens de l'Ouest d'être impérialistes. Et voilà, où sont les impérialistes? Ben, Europe 1938, l'URSS est toute seule dans son coin. Europe 1952, les Soviétiques ont annexé toute l'Europe de l'Est, et donc en réalité, ils ont annexé 483 000 km², et il y a 22 millions de personnes
en Europe de l'Est qui sont asservis, c'est-à-dire sous domination de l'Union soviétique. Donc effectivement, ils dénoncent l'impérialisme soviétique. Ils disent, ne croyez surtout pas ce que racontent les communistes. Les vrais impérialistes, c'est eux, puisqu'ils ont imposé des dictatures en Europe de l'Est, et qu'ils empêchent les gens d'être libres et de partir avec le rideau de fer. Donc, peuple libre, défendez-vous. Ça s'adresse évidemment au peuple libre d'Europe, ceux qui sont dans le bloc de l'Ouest et qui sont membres de l'OTAN. Et d'un autre côté, je vous montre une affiche réalisée par le Parti communiste français. Donc là, on vous dit, voici des bases américaines dans le monde. Donc on vous montre qu'il y a des bases américaines absolument partout autour du bloc de l'Est, et on vous dit qui est l'agresseur qui menace. Vous voyez, c'est une réponse, hein. On dit que les Soviétiques menacent le monde entier. Regardez bien, il y a des bases partout. Ce sont les Soviétiques qui sont menacés. Je vous laisserai le temps de faire pause et de regarder ce qui est écrit là. Vous avez des arguments qui sont un peu intéressants. Donc vous avez bien un monde bipolaire séparé en deux. Alors, voilà la nouvelle merveilleuse trace écrite que vous allez faire. On a donc, à partir de 1947, deux camps qui sont constitués. Pour les Américains, avec la doctrine Truman, il faut contenir les Soviétiques dans leur sphère d'influence. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'endiguement, du containment, d'accord, en anglais. C'est-à-dire, il faut contenir la poussée communiste. Surtout, il faut que à aucun prix, les Soviétiques ne prennent le pouvoir ou le contrôle de nouveaux pays. Donc pour ça, le plan Marshall est mis en place pour aider à la reconstruction de l'Europe de l'Est. Et on crée une alliance militaire, qui est l'OTAN, pour souder ces pays en cas de menace soviétique. D'un autre côté, pour les Soviétiques avec la doctrine Jdanov, il faut lutter contre l'impérialisme américain au nom de l'anti-impérialisme, d'accord? L'URSS s'oppose donc aux États-Unis et défend le communisme dans le monde entier. Pour cela, elle soutient tous les communistes, tous les partis communistes du monde entier et tous les mouvements révolutionnaires qui seront opposés aux États-Unis. Et elle va soutenir aussi tous les mouvements décoloniaux, hein, les mouvements anticoloniaux, en espérant bien sûr que les futures colonies, une fois devenues indépendantes, deviennent communistes, hein. Ça va sans dire. Et elle soutiendra en 1955 la création du pacte de Varsovie. On a donc bien un monde bipolaire. Alors bipolaire, ça n'est pas une notion là, de psychiatrie ou de psychologie. Hein. C'est un monde divisé en deux pôles. C'est-à-dire qu'on a deux puissances qui s'opposent et qui essayent d'attirer à elles tous les autres pays autour. D'accord? Conclusion à l'ouest, on a le capitalisme. Propriété individuelle, propriété privée, les libertés sont préservées, etc. Les élections sont organisées. Ce qui n'empêche pas de soutenir une dictature si elle est anticommuniste. Je vous rassure, je corrigerai la faute dans la trace écrite que vous aurez. Je vous mettrai le PDF sur le cahier de texte, hein. Donc, ça n'empêche pas évidemment les Américains ou les Français ou n'importe qui de soutenir une dictature pourvu qu'elle soit anticommuniste. Et de l'autre côté, on a effectivement le communisme, le bloc de l'Ouest, le pôle communiste, le bloc de l'Est, qui défend la propriété collective, hein, rappelez-vous, on avait vu ce que c'était le communisme, qui réduit les libertés ou qui les supprime, et avec un parti unique, donc pas d'élection, autrement dire la dictature. Donc voilà pour les causes, la mise en place de la guerre froide, ces deux aspects-là. Alors pour la prochaine fois, vous me faites l'activité sur les doctrines Truman et Jdanov, vous trouverez tout ça dans le cahier de texte que je vais remplir. Et je vais mettre sans doute en place un Google Drive, donc une base de données où vous pourrez aller prendre tous les documents au fur et à mesure. Je vous remercie de votre attention.